Bonjour à toutes et à tous en ce jeudi 14 février, donc jour de l'amour s'il en est un, même si tous sont des jours de l'amour, un petit tirage, une petite capsule spéciale. Donc j'ai sorti une capsule célibataire et là c'est une capsule pour ceux d'entre vous qui ont quelqu'un dans leur cœur. Que vous soyez ensemble ou pas, hein, donc voilà, si vous avez quelqu'un dans votre cœur et si vous êtes dans le cœur de quelqu'un, et ou si vous êtes dans le cœur de quelqu'un, bien ce tirage est pour vous. Donc j'ai plusieurs oracles, hein, qui se sont invités pour nous laisser des messages. Et donc évidemment c'est généraliste, donc vous prenez ce qui résonne. Il reste encore quelques places pour les guidances personnelles, hein, vous pouvez regarder dans la barre d'infos. Comme je l'ai dit, profitez-en encore une petite semaine parce qu'après je vais fermer les portes des guidances personnelles pendant un petit moment parce que je vais prendre du repos et du recul. Voilà, pendant au moins, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas voilà, il n'y en aura pas pendant un petit moment. Donc profitez-en et puis sinon, eh bien, on se retrouve dans les jours qui viennent sur la chaîne pour les capsules et les guidances généralistes. Alors, on découvre ensemble. Alors. On a d'abord la chance. Bon, c'est pas mal, la chance. On a la protection. Ok. Et on a l'instabilité. Ok. Bon. On va la mettre là, elle. On va la laisser ici. Ensuite, on a trois cartes, mais on les regardera après. On a la maîtrise. On a l'amour cosmique. Là, je vous lirai un très joli texte. Et on terminera par tout ce qui est. Pardon. Voilà. Mais on regardera ça après. Alors là, clairement, c'est super clair comme message. Comme pour les célibataires, les guides ont été extrêmement clairs. Merci, on les remercie. Il y a pour beaucoup d'entre vous, avec la personne qui est dans votre cœur, beaucoup d'instabilité dans la relation. Que ce soit une relation de couple, ça tangue un peu. Que ce soit une relation triangulaire, que ce soit une relation qui ne soit pas encore aboutie dans la matière, il y a beaucoup d'instabilité. Pour plein de raisons. Voilà, il y a aujourd'hui une énergie d'instabilité, donc vous irez vous mettre ce qu'il y a derrière. Mais moi, ce qu'on me dit, et je ne cesse de le sentir en ce moment, la relation est extrêmement protégée. Vous voyez, il y a de la protection, donc c'est la protection par l'univers, par la vie. La vie protège cette relation, et en plus, il y a de la chance. La chance, vous savez, c'est comme le dit quelqu'un qu'on connaît tous, la chance, c'est Dieu qui voyage incognito. Hein. Donc aujourd'hui, le seul message que vous pouvez retenir de ça, c'est si c'est instable, si c'est compliqué, si ça ne se passe pas exactement comme vous voulez, restez confiant, parce que de toute façon, vous êtes protégé. Par les dieux, vous êtes protégé par Dieu, vous êtes protégé par l'univers et l'univers est en train de travailler pour vous. Alors attention, je mets petit bémol. Ça ne veut pas dire que ça va forcément s'arranger, que ça va forcément, oui, s'arranger comme vous voulez vous. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que quoi qu'il se passe dans cette histoire, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Je sais que si vous êtes si vous êtes séparé, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, il ne vous parle plus, ou si c'est en cours de séparation, vous sentez qu'il s'éloigne, enfin bref, hein, bien sûr que c'est difficile à entendre, mais vraiment, vraiment, c'est ce qui me vient, c'est ce qu'on me dit. Ne vous inquiétez pas, faites confiance à la vie travaille au mieux pour vous apporter de l'amour, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc là, il y a un travail de lâcher prise à faire, clairement. On a, vous voyez, bah oui. Hein. Ils ne se sont pas trompés, hein, la maîtrise. Pour passer de la maîtrise dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, si c'est le chaos, si c'est l'instabilité en ce moment, si vous êtes, ou alors simplement si vous savez plus trop où vous en êtes pour certains autres, hein, si vous avez, si vous savez, vous doutez de vos sentiments, vous doutez des sentiments de l'autre, ou vous savez plus où vous en êtes, vous n'arrivez pas à choisir si vous avez deux personnes dans votre cœur, si c'est compliqué pour vous, là, on vous dit lâchez l'affaire. Ne travaillez pas avec votre mental, acceptez de ne pas savoir, acceptez l'instabilité en ce moment, parce que vous êtes protégé. Vous personnellement, là qui regardez ce tirage, vous êtes protégé et vous avez, les dieux travaillent pour vous. Dieu travaille pour vous. Donc voilà, lâchez l'affaire. Voyez, lâchez l'affaire. On a en très belle carte, et là je vais vous lire le texte, c'est la numéro 28, qui est l'amour cosmique. Hop, je vous la mets là et je vais vous lire le texte. L'amour cosmique, très belle carte, magnifique carte. L'amour cosmique. Si souvent ton existence se retrouve semée d'embûches et d'événements inattendus, ces situations délicates où tu dois avancer avec discernement et persévérance déclenchent en toi une sorte d'autoprotection et d'éveil. Ces deux capacités soutiennent chacune de tes nouveautés et stimulent chacune de tes pas inédits. Encore faut-il accepter quelques incontournables, comme le fait de se retrouver seul face au monde, seul face à soi-même,
d'oser l'audace d'une vie choisie, personnelle et non tracée. Dans des temps plus anciens, nos mentalités demeuraient bridées par des conceptions étroites du monde. Aujourd'hui, tu peux choisir entre ce qui t'élève et ce qui te restreint. Les croyances, les certitudes, la routine, la rigidité mentale sont autant d'obstacles à ton éveil. Au contraire, la fluidité, la curiosité, l'adaptation sont les ingrédients d'une belle vie. Certains êtres se retrouvent parfois avec les tâches les plus difficiles. La vie semble s'acharner et les bousculer fort. En réalité, elle teste leur capacité à rebondir. Les tons dorés de cette carte t'invitent à admettre que ton cheminement spirituel soit relativement long. Derrière cette distance se cache l'or de ta vie. Prendre du repos pour remettre périodiquement en question ton système de pensée s'avère essentiel, tout comme t'autoriser à profiter du paysage. Ton chemin s'enrichit par l'expérience. Il est plus important que la destination elle-même. Si tu sens un décalage entre tes ressentis, tes paroles et tes actes, relativise ton parcours, apprécie ta capacité de transformation et ouvre-toi au meilleur. Il est question ici dans cette carte de prendre de la hauteur, d'élever ton histoire afin d'en saisir les moindres pépites dissimulées derrière les complications de l'existence. L'amour cosmique t'a porté jusque-là, il a veillé sur toi, il t'a porté, soutenu, chéri. L'univers conspire, il a déjà installé beaucoup d'amour en toi. C'est mieux dit que ce que j'aurais pu dire, donc je ne ferai pas de commentaires, vous pourrez réécouter. Et on termine par « tout ce qui est ». Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Voilà, c'est un magnifique message. Vraiment magnifique message. Mais d'ailleurs, les deux tirages sont comme ça. J'ai pas envie d'en dire plus. Je vous souhaite une magnifique journée de Saint-Valentin. Je vous souhaite d'accueillir l'amour et je vous dis à demain.